Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va monter ensemble le numéro 46, 47 et 48 de la Starkey Hutch. Je fais 3 numéros vu que c'est que des câbles électriques. Donc, sur le 46e numéro, hop, on voit ça les pièces, hein, que des câbles. Hop. Le numéro 47, bon, ça, on verra ça après de toute façon. Hop, les deux accessoires là, c'est pour faire lever la voiture. Bon. À côté, ça ne sert plus à rien parce qu'il y a les 4 trous. Alors, le montage. Donc, à mettre le câble. La partie finale. Donc, voilà. Bon, bah, allez. Hop. On met ça. La voiture. Voilà. Bon, malheureusement, on ne peut pas voir le bout. Je montre ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure, pardon. Donc, on va commencer. Hop, avec le câble. Qui récupère le montage à réaliser. Hein. Numéro 45, et positionnez-le. Sur votre plan de travail, à l'identité visuelle, insérez le connecteur des LED des câbles noirs et verts de feu arrière de TG. Donc, le G est là. Donc, prenez celui-ci. Et on va le mettre. Déjà, je vais le dérouler. Hop. Et ben. Des nœuds là-dedans. Et ben. Alors, hop, voilà. Donc, on va mettre donc, hop, ce petit bout blanc. On va le mettre. On va prendre un tournevis pour le montrer. On va le mettre ici. Le premier, là. Là. Voilà, ça c'est bon. On va mettre ça ici. Voilà. Ensuite, on va prendre le câble I. Voilà, celui-ci. Il faut le dérouler. Voilà. Ensuite, on va donc mettre ce câble là, ce petit bout là. On va le mettre donc ici, juste là. Le deuxième. Hop. Voilà. Ça va. Ensuite, on va prendre donc le dernier, donc le H. Hop. Et on va le mettre
Ici. Ça, hop. Et là, là. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il demande là? Activer l'alimentation en actionnant le commutateur du voiturage situé sur la partie arrière du modèle. Reportez-vous au montage 45, étape 6. Pour plus de détails, c'est le moteur. Ouais, ça, c'est pour le fonctionnement en fait. Mais ça va pas faire ça, on va faire ça à la fin. Que j'ai pas mis les piles, je crois. Je ferai ça dans une vidéo séparément. Donc bah là, c'est pour l'allumage, hein, pour voir si ça marche et tout. Je verrai ça dans la deuxième vidéo. Bon, bah voilà, donc celui-là, c'est bon. Numéro 46, c'est fait. Le numéro 47. Donc, hop, les pièces, tout pareil avec ces deux-là. Le 48. Voilà. Le montage. Ça, c'est le regard fait ses chutes, c'est une apparence. Bon. Alors, on va voir ça. Les pièces, c'est nos 47. Donc, on va prendre le câble J. Celui-ci, donc il est accroché avec ce petit, cette toute petite carte. Attention en le déroulant. Alors, on va mettre ça. Donc, on met ce petit bout et on va le mettre juste ici. Là. C'est le seul qui est libre. Ensuite, on va prendre donc le câble K, c'est le dernier de toute façon. On va mettre ça. Bon, ça c'est pas trop. Voilà. Alors, celui-ci, on va le mettre. Ah, quoi ça? Et celui-ci, on va le mettre juste ici, celui-là, au milieu de la carte. Voilà. Bon, pareil, là c'est pour l'allumage, hein, tout ça, mais ça, on verra ça dans la deuxième vidéo. Voilà. 46, c'est... Ok, donc, ben, celui-là, 47, c'est bon. Bon, il y a ça, hein, quand je voulais montrer tout à l'heure, bon, ça c'est pour tenir la voiture du bout, mais bon. Allez, c'est 4 roues, donc ça ne sert à rien. Je sais pas pourquoi ils nous... Je sais pas pourquoi ils nous livraient là. Enfin, le numéro 48. Donc, c'est donc les pièces, numéro 48. Et le numéro donc 49, là, sa prochaine.
les pièces pour le montage du coffre partie 1. Il n'y a pratiquement rien à faire dessus. Hop, le montage. Les câbles. Bon, je pense que c'est la dernière partie des câbles. Ouais, c'est le dernier. Allez. C'est les câbles, ça c'est le scotch, puis là évidemment les deux supports hein, qui va pas nous servir. Alors on va prendre donc le câble L, on va le dérouler. Et on va le mettre là. Ici, là. Voilà. Ensuite, on va prendre le câble. Celui-là, dont le dernier. Donc c'est le M et on va le mettre. Hop, juste ici. Là, à côté du D. De toute façon, c'est le dernier. Le dernier qui est libre. Hop. On met ça là. Et voilà. Donc ça c'est bon. Voilà, donc les câbles, c'est bon, c'est fini. Alors ensuite, bon ça c'est pour les allumages. Hein. On verra ça dans la vidéo suivante. On va maintenant prendre le câble 44B ton gauche noir. Hop. C'est ce qui est rouge et noir. Hop, on va mettre un petit peu partout. Voilà. Hop, il faut lesquels? Rassembler les câbles 44B, rouge et noir. 46A, 47, 48, 9, et ramener. Ouais, mais c'est lequel? Alors, c'était celui-ci. Et noir. Celui-là. C'est pas celui-là. Hop. Ouais, non, c'est pas ça qui se raconte. Peut-être faire ça dans la vidéo. Ah non, il est là. Le verre, il est là. Donc le rouge c'est celui-ci. Hop. Voilà.
après le rouge, il y a le vert. Donc le vert, le vert, le vert, c'est celui-ci. Voilà. On va passer ça en dessous. Putain. Voilà le vert. Après le vert, il y a le rouge noir, noir, vert, noir, gris. Il y a le noir, on est dans le noir, c'était celui-ci. Voilà. Hop, voilà. Comme ça. Aussi il est beau ou pas? Non, non, pas celui-ci. Non. Allez, il y en a combien? 1, 2, 3 câbles. Il manque un troisième. Alors. Rassembler les 44B rouge et noir. On va être rouge dans ceux-là. Noir et vert. Noir et vert. Hey, je vois. Ah bah c'est celui-ci. Hop. Oui, j'aime bien le hop. Comme ça. Voilà. Donc celui-ci, il n'a pas sa place. Ensuite, le noir et blanc. Le noir et blanc, c'est bon. C'est ça, c'est qui est cool, hein, ça. C'est bleu. Voilà, le noir et blanc, c'est celui-ci. Donc c'est celui-là, on enlève. Hop, on jarte. Voilà, et on met celui-ci à la place. Ça devrait être trop bon. Voilà. Et ensuite, on va mettre. Hop, du scotch. Du scotch ici. On va mettre ça. Ensuite, on va donc maintenant prendre le blanc blanc, donc celui-ci, le 44C. Maintenant, ensuite le 44D, le blanc vert, celui-ci. Le 45C vert vert, celui-là, le bleu bleu, celui-ci.
Noir, noir. C'est celui-là. Le blanc est blanc. Ben, je l'ai mis tout à l'heure. Oui, je l'ai mis. Ah non, le bleu et le blanc. Bleu et le blanc, pardon. Hop, celui-là, là, comme ça. Ensuite, le blanc et le rouge. Le blanc et le rouge. Il est où celui-là? Il reste que cela, donc ah bon, on met tout en fait de l'autre côté en fait. Voilà, comme ceci. Et ensuite, hop, le scotch. Je l'ai mis où? Là. Et ça sera donc terminé. Hop, on va mettre hop, allez. Une deuxième ici. Et voilà. On va recoller un autre bout juste après pour sur plus sûr. Donc voilà pour le numéro 46, 47 et 48. Et donc merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine, ce sera donc le fonctionnement de tout ça. Ouais, ça marque correctement et tout. Donc merci. Là par contre, il n'y a pas de scotch. Bon, là, on peut pas voir malheureusement. Attendez. Hop. Voilà ce que j'ai fait là. Pas grand chose. Hein. Voilà. Donc je peux pas mettre. Ils disent pas mettre de scotch. Donc j'en mets pas. Au moins je vois pas clair. Non, j'en ai pas. Ben, je vais pas en mettre, on sait jamais. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, je te suis pour le fonctionnement. Salut !